maîtrise, c'est une électrolyse. Elle permet, elle agit, la technique, elle agit sur l'évolution du système. Et on applique, Naya, la colorimétrie, c'est quoi? C'est une électrolyse. Une seconde, j'avance dans l'exercice. J'ai mon document. Voilà, donc je reviens. Montrer que l'on peut effectuer un titrage colométrique. Je suis à ce niveau par rapport à la question. Et dans quel compartiment anodique ou bien cathodique il va s'effectuer le titrage? Et est-ce qu'on doit séparer ces compartiments, c'est-à-dire anodique et cathodique? Pour les étudiants qui ont pu suivre le cours avec Oussad Kassim ou bien qui ont pu relire le cours envoyé par professeur Kassimi, ils ont maintenant une idée, c'est quoi la potentiométrie, c'est quoi la colorimétrie, c'est quoi tous ces détails-là. Donc, je passe à la réponse. Voilà. Donc, c'est quoi la colorimétrie? La colorimétrie, il s'agit ici d'une électrolyse où on détermine ou bien on mesure la quantité d'électricité. Colorimétrie, en coulombe, c'est l'unité de la charge ou bien de la quantité d'électricité. C'est la coulométrie. D'accord? La quantité d'électricité utilisée pour effectuer une opération électrochimique donnée. Donc, on suit, dans notre titrage colorimétrique, on suit l'évolution de la quantité d'électricité. Et on détermine cette quantité à travers la loi de Faraday. Vous avez ces détails dans le cours. Par exemple, j'ai une réaction électrochimique en général, raide qui s'oxyde en ox, ou bien ox qui se réduit, tout dépend de mon système. Donc, cette réaction, elle génère une quantité de quoi? D'électricité. D'accord? Cette quantité d'électricité, elle est donnée, selon la loi de Faraday, par cette relation. Q égale à N, qu'est-ce qui est le nombre d'électrons, fois F, la constante, c'est le Faraday, fois petit m, la masse sur la masse molaire. Donc Q, c'est la quantité totale d'électricité en coulomb consommée au cours de l'électrolyse. Parce qu'une électrolyse, une fois vous entendez les courbes intensité potentielle, il y a un courant, il y a de l'énergie, il y a de la chaleur, il y a beaucoup de choses dans le système. C'est un système en mouvement, c'est un système qui bouge, il y a des réactions à l'intérieur, il y a une vitesse de réaction, il y a beaucoup de paramètres. Donc ce système, pendant cette réaction, il y a une consommation d'énergie, il y a une quantité totale d'électricité produite. Donc, notez bien dans vos textes que c'est un système qui produit, qui consomme de l'électricité. Donc, je peux suivre cette quantité totale d'électricité consommée pendant l'électrolyse. Il y a de l'énergie. Je peux calculer combien d'énergie consommée pendant cette électrolyse. Et c'est ça l'intérêt de ces courbes d'intensité potentielle. C'est ça l'intérêt de ces types de titrage. C'est le suivi du système pour l'exploiter par la suite. Donc, Q, la quantité totale d'électricité consommée au cours de l'électrolyse, d'accord? Et N, le nombre d'électrons échangés par mol de l'espèce électrolysée. Donc, là, on dit l'oxydant d'eau, le réducteur d'eau, et je fais le suivi par rapport à ça. La masse, là, faire de l'exemple, j'ai pris le réducteur, j'ai au départ le RED. Donc, N, c'est le nombre d'électrons par rapport à ce RED. Échangé par rapport à ce RED, c'est sa masse totale initialement présente. Et grand M, c'est sa masse molaire. Et la constante ici de Faraday, vous la connaissez. Donc, d'après cette loi, on note que connaissant Q, la quantité d'électricité, et N, le nombre d'électrons échangés, on en déduit la quantité initiale, petit m, ou M sur M du RED. L'intérêt? L'intérêt, je pars d'un système, j'ai fait des inconnus. Lorsque je fais un titrage, je connais la concentration ou bien la normalité de titreur, mais l'élément à doser est inconnu.
Je n'ai ni sa normalité, ni sa concentration. Rappelez-vous des dosages qu'on a faits les TP depuis le S2, les TP, les qu'on a qu'un le S3. Donc, je nous vois l'objectif. L'objectif, c'est d'identifier, de donner le titre à un élément inconnu à travers le dosage par un autre qui est connu. Et par la suite, le titrage, on le suit par plusieurs techniques. Je fais la potentiométrie, je fais la conductimétrie, je fais d'abord qu'un chauffe-eau, je fais par précipitation, je fais acide base. Donc, il y a plusieurs techniques qui permettent de. Et également, vous avez vu la calorimétrie où on a fait le suivi d'action. La chaleur a obtenu des relations entre la façon et on déduit par la suite. Apparemment, j'ai encore un problème de connexion. À chaque fois, il se quitte. D'accord, je vais essayer d'avancer, s'il vous plaît, Anna. Vous voyez l'écran? Oui. Donc, j'ai expliqué cette partie liée à la quantité d'électricité. Vous avez pu la suivre, je pense. Et j'ai repris la question qui est dans notre exercice, montrer que l'on peut effectuer un titrage colométrique et dans quel compartiment anodique ou bien cathodique s'effectue ce titrage. Donc, si on arrive à comprendre de quoi il s'agit, automatiquement, alors oui, effectivement, on peut effectuer ce titrage colométrique. La solution de départ contient le fer de plus à doser, je suis à ce niveau. La solution contient Fe de plus à doser et CO de plus en excès. D'accord? On va mettre maintenant le CO de plus en excès pour assurer ce dosage colométrique. Voilà, donc le CO de plus, c'est quoi le CO de plus? Donc j'ai le couple fer de plus, fer 3 plus fer de plus. Et le couple CO3, CO2+. Le CO2+ que je vais mettre en excès ne va pas réagir avec le fer 2. Ce sont deux réducteurs. Très bien. Et ceci va donner le CO2+ maintenant. C'est le CO2+, ça c'est le principe du titrage colométrique. Le CO2+, je vais le mettre en excès dans la solution en présence de fer de plus. Ce CO2+ ne va pas réagir avec le fer de plus, tout simplement parce que les deux sont des réducteurs. Je vais essayer de le noter d'ailleurs. C'est un raid. D'accord. Et aussi celui-là, c'est un raid. Très bien. Donc, bien sûr, les deux réducteurs ne vont pas réagir ensemble. Par contre, ce CO2+ que je vais mettre en solution en excès, c'est lui qui va donner électrochimiquement le CO3+. Maintenant, je n'ai pas le CO3+ que je vais verser. Je vais le produire électrochimiquement en solution, au fur et à mesure pendant l'électrolyse. Donc, ce CO2+ qui va générer qui va s'oxyder en CO3. C'est un oxydant qui va par la suite. Qui pourra réagir avec le fer 2, qui est le raid. Ça fait? Donc, c'est ça le principe, c'est mettre le en excès et générer l'oxydant dans la solution selon ses réactions. Donc, j'ai une réaction électrochimique, laquelle c'est le CO2 plus en excès qui va
générer le CO3+. Ce CO3+,